On va avoir un élément très important des propriétés du CSS, c'est les images de fond. Ok? Alors, avant de continuer, sachez que j'ai mis dans le fichier ressources un fichier main.css qui est un peu plus dilué par rapport à celui que vous avez là maintenant. C'est celui qui est là. Il renferme tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, depuis le début de la section CSS jusqu'à maintenant. Donc vous allez copier tout ce qui est dans ce fichier main.css, vous allez le copier, l'écraser et écraser tout ce qui se trouve dans votre style.css. Voilà. Et on va aller pas à pas avec ces propriétés CSS. Donc il faut savoir que la propriété image de fond, c'est background image. D'accord? Background image en CSS est définie une image d'arrière-plan de votre choix. Ok? Vous choisissez un sélecteur donné, soit un sélecteur de balise ou un sélecteur de classe. Vous insérez des CSS. Elle prend en paramètre l'URL de l'image qui doit être en fond. Vous voyez que là, il n'y a pas d'image de fond derrière. Donc, on va corriger ça. On va s'attaquer à la classe Hero. D'accord? De notre div qui est là. Hero, on va lui donner un background. Background image, d'accord. On va prendre la valeur URL. La valeur URL, elle prend un paramètre, l'URL de l'image en question, entre guillemets. Donc, je fais les guillemets, et on va récupérer une image existante sur le serveur OSchool. Donc, je vous mets également le lien de l'image si vous voulez dans les fichiers ressources. Alors, donc, je colle tout ça, génial. Ok. Et quand je vais, voilà, actualiser, vous voyez ce qui sort. Voilà, mais l'image, on a l'impression que l'image elle est grande. Ok. D'accord, parce que vous regardez, elle est là, ici. On a l'impression que c'est ces feuilles-là seulement qui viennent là, tellement que l'image est énorme. Donc on va recentrer l'image et on va faire en sorte qu'elle couvre clairement notre div qui est la classe Hero. Donc, je n'aurai pas dans mon style. Et juste en bas de background image, je vais mettre une autre propriété CSS. Et la propriété CSS, c'est background size. Et background size, je vais la mettre à cover. C'est-à-dire que l'image doit couvrir, hein, elle doit s'adapter à la taille de notre div. Voilà. Donc, je vérifie encore. On regarde bien, on actualise. Voilà, vous voyez que l'image s'est adaptée à la taille de notre div. Le texte, il est noir, on n'arrive pas à voir grand chose. Du coup, on va affecter, alors toujours dans le hero, on va mettre la couleur du test, color, on a déjà vu ça, color, on va mettre l'hexadécimal FFF 6 fois. Voilà, donc, pour définir le blanc. Quand je réactualise, voilà, on voit que, ok, on a réussi à mettre notre image de fond. Dans la dernière vidéo de cette section, maintenant, on va voir les ID en CSS. C'est vraiment important.